Lorient 9e accueille Lens 2e. Les Lensois veulent défendre à tout prix cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Des Sang et Or sur 4 victoires de suite, 8 victoires pour une seule défaite sur les 9 derniers matchs. La série est exceptionnelle, même s'il faut jouer sans Danso suspendu. Openda est titulaire avec Thomasson et Sotoka. Fofana bien sûr présent au milieu du terrain. Lorient de son côté a envie de bien finir la saison. Les Merlus restent sur 2 victoires et 1 nul et jouent avec Fèvre, Lefebvre et Koné. Ce premier ballon long permet à Lens d'obtenir une touche, aller jouer tranquillement vers Brice Samba. Mais Samba hésite un petit peu. Romain Fèvre en profite pour récupérer la balle et marquer le but du 1-0. C'est la première erreur de la saison permettant à l'adversaire de marquer un but pour la défense lensoise. Une erreur directe qui coûte très cher. Cette touche de Medina et ensuite Samba qui rate complètement son intervention. 1-0 dès la 6e minute pour Lorient. Le 3e but de la saison pour Romain Fèvre. L'entame parfaite pour l'équipe bretonne. Mais Lens joue plus haut pour essayer de vite revenir. Sotoka tente sa chance. Le tir est dévié, ça lobe Mvogo. L'égalisation lensoise à la 20e minute. Un petit quart d'heure a suffi au Sang et Or pour revenir. Sotoka inscrivant son 7e but de la saison. Il y a eu un petit coup de réussite pour Sotoka. Avec une balle déviée au-dessus du gardien. Lens revient parfaitement dans la rencontre et insiste 5 minutes plus tard avec cette ouverture sur le côté droit. Frankowski pour ce centre, le ballon traîne dans la surface. Lorient a beaucoup de mal à se dégager. Un autre crochet de Fofana, les défenseurs récupèrent. Kaloulou veut repousser le danger mais tombe sur Adrien Thomasson en embuscade. Jamais Lorient n'a pu écarter le danger, dégager le ballon très loin. Et Thomasson conclut à la 25e. Ça fait 2-1 pour Lens qui a déjà renversé le score. 4e but de la saison pour Adrien Thomasson. Lens a été efficace sur ses 2 premières occasions et mène 2-1 à la mi-temps. Combiné à la défaite de Marseille à Lille, ce résultat permet à Lens de se rapprocher d'une 2e place définitive à la fin de la saison. Mais il faut confirmer en seconde période. Et Lorient a encore l'ambition de ne pas perdre ce match. La reprise de la tête de Koné. Le Malien bute sur Brice Samba. Le ballon étant sauvé juste devant la ligne. Le gardien lensois reste solide. On s'approche de la toute fin du match avec cette occasion lorientaise. Dans les dernières minutes, les Lensois n'arrêtent pas de jouer et continuent à essayer d'aller de l'avant sur quelques actions. À mesure que les Lorientais font tout pour égaliser, il y a de bons espaces à exploiter, notamment ici avec cette balle donnée sur le côté. Alexis Claude Maurice réussit à donner dans la surface. Seko Fofana en profite. 3-1 à la 87e minute. Le but libérateur pour les Lensois, le 7e de la saison pour l'international ivoirien. Les Lensois sont toujours efficaces et marquent un but très important à la fin de ce match, celui qui leur offre la victoire sur ce score de 3-1 sur le terrain de Lorient. Il ne manque plus que 2 points à prendre sur les 2 dernières rencontres pour Lens afin d'assurer cette fantastique 2e place du championnat.